Goodbye. Welcome to the Taj, home to statesmen and celebrities for over a century. Wow. Remember always, here at the Taj. Thank you. We hope you'll have a good stay. Guest is gone. Oh, look at that. It's amazing. There's a whole other room back here. Let's move. I think you understand. There's been an attack and we're not safe. Switch out the lights. Under the tables. Terrorists have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside. We should try to gather whoever we can. Many of you have families at home. There is no shame in leaving. I've been here 35 years. This is my home. You don't know how many there are, where they are. Local police are simply not trained to deal with attacks of this magnitude. Police! Don't open the door, it's them! My kids upstairs. Do you have a family? Yes. And I hope to stay alive and see them. What's coming from us? We go down the back stairs and straight out the service exit. If they hear us, we'll all die. We take our chances. That's good. We all are. But to get through this, we must stick together. Salut tout le monde. On va se retrouver aujourd'hui pour parler du film Hôtel Mumbai, un drame réalisé par Anthony Mara qui va nous retracer l'histoire d'une série d'attaques terroristes qui a frappé la ville de Mumbai en novembre 2008, inspiré de faits réels malheureusement. Le film compte à son casting Dev Patel, Anupam Kher, Jason Isaacs et Nazanin Boniadi. Alors par où commencer ? Le film est extrêmement éprouvant, il est complètement fou, hyper stressant, la réalisation est super sobre et on va suivre les différents personnages qui sont pris au cœur de ces événements terribles et on va vivre avec eux ces heures interminables où ils vont être chassés, pris en otage et exécutés par cette bande de terroristes complètement fou, complètement endoctriné par un cerveau qui s'appelle le taureau et qui leur dicte ses ordres par téléphone. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce que le film est extrêmement réaliste, très terre à terre, et le film retrace les événements malheureusement comme si on y était, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va vivre, on va ressentir à travers l'écran et à travers les personnages la peur, l'impuissance, la terreur absolue de se retrouver au cœur d'une attaque terroriste d'une ampleur pareille, parce que c'est une dizaine d'hommes qui vont sillonner la ville de Mumbai et qui vont s'attaquer à des lieux précis comme un hôpital, une gare et l'hôtel, donc le Taj, où travaillent les personnages de Dev Patel et Anupam Kher. Et on va se rendre compte aussi de l'impuissance des forces de police indiennes, qui sont complètement dépassés par la puissance de feu des terroristes, qui ont des armes automatiques et des grenades, des bombes, et qui, eux, se retrouvent complètement impuissants avec leur malheureux pistolet et leur malheureux fusil. Ils ne peuvent pas faire grand-chose et on se rend compte qu'ils ne sont pas préparés pour une attaque pareille. La violence du film est complètement effroyable, comme je l'ai dit, c'est extrêmement réaliste. On va suivre ces terroristes qui vont abattre froidement les gens par dizaines sans montrer aucune émotion ni aucun remords. Ils sont complètement endoctrinés et le lavage de cerveau dont ils ont été victimes, entre guillemets, est complètement effroyable.
Je pense que le réalisme du film va déranger certaines personnes parce qu'on est là face à ces 2 heures de cauchemar complètement impuissant et se dire que ça s'est vraiment passé comme ça, dans ces proportions complètement folles d'une ville en état de siège et impuissante. On attend l'intervention des forces spéciales pendant des heures et des heures et des heures pendant que les otages essayent de s'enfermer dans des pièces au fur et à mesure que les terroristes progressent dans l'hôtel. Et on voit qu'eux n'ont aucun moyen de se défendre, ils n'ont aucune arme. On entend les coups de feu pendant qu'eux sont tassés derrière une porte complètement terrifiés. Et il y a des scènes vraiment qui sont extrêmement dures à regarder. On voit des personnages qui se cachent et on voit les terroristes qui progressent dans la pièce en abattant les gens. Et on prie de tout notre cœur que le personnage caché ne se fasse pas découvrir et ne se fasse pas abattre. Et on a tout le paradoxe de la religion avec ces images complètement folles des terroristes qui ont abattu une dizaine de personnes, des femmes, des hommes, âgés, pas âgés, sans aucune distinction. Ils ont abattu froidement. Et on a ce moment où un des terroristes doit chercher une pièce d'identité sur une femme morte, avec le taureau, donc son espèce de gourou là, qui est au téléphone et qui lui dit vas-y, fouille. Et on voit ce jeune terroriste complètement perdu qui est dans l'impossibilité de poser sa main sur le corps d'une femme, alors qu'il l'a abattu de sang-froid. C'est tout ce paradoxe qui est vraiment effrayant, parce qu'on sent que c'est. On sent que c'est des personnages qui sont complètement perdus, qui ont eu le cerveau complètement lavé et qui se raccrochent à une espèce de but d'accéder au paradis en massacrant des gens. C'est complètement fou, mais ça relève tellement la triste réalité des choses et tout ce qui s'est passé dans le monde ces dernières années. On a une scène assez terrible où on va avoir un des terroristes qui appelle ses proches en leur disant qu'il les aime et qui leur demande si l'argent a bien été versé, et on a ce moment où le père donc répond non, pas encore, et on se doute bien que voilà, on se doute de la finalité des choses. Et si on déteste les terroristes de tout notre cœur, mais vraiment, on a une espèce de haine sourde envers ces personnages, on a envie de leur dire mais ouvrez les yeux, regardez ce que vous faites, vous êtes en train de tuer des êtres humains comme vous. C'est l'impuissance du spectateur, elle a vraiment été extrêmement bien retranscrite à travers les événements du film, et la réalisation et tout ce qui se passe dans le film aide totalement à s'immerger dans cette folie meurtrière. Dev Patel, il est excellent, comme toujours, j'ai envie de dire. Franchement, c'est un acteur qu'on voit progresser de film en film, de Lyon jusqu'à ses précédents films, jusqu'à maintenant. Anupam Kher, c'est une légende du cinéma indien. C'est même pas la peine de le préciser, il est excellent dans tout ce qu'il fait et c'est encore le cas ici. Jason Isaacs, je l'ai vu dans la série The OA, il est très bon aussi. Il joue un espèce de milliardaire un petit peu imbu de sa personne, séducteur, qui consomme les femmes comme des marchandises. Mais au fur et à mesure du film, on va découvrir une part un petit peu plus humaine. Et on a une scène vraiment très touchante où Dev Patel va expliquer à une femme qui a peur de lui. Qu'elle n'a pas de raison en fait qu'il est comme elle, et il lui explique un petit peu ses croyances, ce qu'il porte autour de la tête, l'importance que ça a pour lui et tout ce que ça signifie pour sa religion et sa famille. Je pense que vous l'avez compris, je vous conseille évidemment de tout cœur Hotel Mumbai. C'est un film extrêmement dur, extrêmement réaliste, mais on a besoin de ce genre de film pour nous montrer la réalité des choses et en hommage aux victimes et pour retracer tout ce qui s'est passé. Et Hotel Mumbai le fait extrêmement bien. C'est un film important à voir. C'est un film qui reste en mémoire. C'est un film qu'on n'oubliera pas de sitôt. Une fois qu'on l'a vu, c'est une espèce de claque dans la figure. Voilà, on s'est attaqué à un gros morceau de cinéma là. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me donner vos ressentis en commentaire, hein, on pourra en discuter. Ça sera toujours cool de pouvoir échanger sur un film aussi intense et aussi poignant. Si vous projetez de le voir, n'hésitez pas à venir me faire un retour. Ça sera toujours intéressant de voir que des gens l'ont vu et partagent peut-être mon avis ou un autre avis. Voilà, ça sera tout pour cette chronique du film Hotel Mumbai. À bientôt, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire.